J'étais en cours de technologie, en sixième, je m'en rappelle, et j'avais dit, mon prof, les profs demandaient au début, vous voulez faire quoi comme métier? Et moi, je disais, je veux être croque-mort. Tout le monde se foutait de ma gueule. En sixième, être croque-mort. Et mon prof de technologie m'a dit, ça s'appelle thanatopracteur. Et donc, moi, j'ai noté le mot, et j'ai été sur Internet, thanatopracteur, et j'ai dit, ah oui, non, mais c'est ça que je veux faire. Et ça s'est concrétisé ouais, vers mes 14-15 ans, où j'en ai parlé à mon médecin traitant. Je lui ai dit, moi, je veux être thanatopracteur. Et il m'a dit, si tu veux faire un soin, moi, je peux t'arranger un coup. Alors, je disais, bon, bah, ok. Il m'a appelé une semaine après. Donc, j'y suis allée, très sûre de moi, très à l'aise. La thanato était là. Si tu veux m'aider, tu peux prendre des gants si t'as pas peur. C'était un pendu, mon premier corps. J'ai déjà vu des morts très tôt, notamment mon petit frère aussi. C'est précis, c'est encore dans ma tête. À 3 ans, j'ai vu mon petit frère. Il revenait de l'hôpital de Necker, il est décédé. Il y avait du scotch sur ses yeux, il n'était pas en bon état. Donc il y a ça aussi. Mes parents, en fait, ils ont fait l'erreur de jamais me parler de mes parents biologiques, hein, puisque j'étais en famille d'accueil après. Ils ont fait l'erreur de jamais me parler de la mort et du coup ça faisait que moi je savais pas trop où j'allais. Et c'est vrai que sa mort à mon petit frère, elle m'a appris beaucoup de choses, ne serait-ce que sur mes parents. Au cours de ma vie, j'ai déjà vu des personnes défuntes, décédées, ça m'a fait du mal, etc. Et c'est vrai que la partie de la thanato, ça m'a permis de me réconcilier un peu avec tout ça. Par exemple, j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an. Et ça m'a permis aussi de faire mon deuil plus facilement. C'est important. À la fin de chaque soin, je salue. Pendant le soin, je leur parle. Je peux leur parler de tout et de rien, comme leur expliquer pourquoi je leur fais un soin. Leur expliquer plein de choses, en fait. Attends, je vais le faire. Il est beau. Il y a des pics. Oh, dans ses moustaches. Attends, donne. Je vais m'en occuper. T'es sûr? Fais gaffe. Ouais. Ça pique. Ça pique où? Ouais, là. Ah, je savais pas. Alors, fais gaffe, prends le par derrière. Fais gaffe, tu vas se débattre. Ah bah oui, forcément.
Quelle souplesse. Fait des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. La thanatopraxie, c'est un soin qui va venir stopper temporairement la putréfaction liée à la mort. C'est violent. On pique dans le cœur, on ponctionne, on ouvre, on injecte, on incise une artère, on vient fermer la bouche de quelqu'un définitivement. On compense avec d'autres gestes, en tenant les mains, en caressant, en passant une main dans les cheveux. Moi, on m'a appris en cours, on habille un corps comme on habille un bébé. Il y avait une époque où je faisais 12 corps par jour et les 12 corps étaient traités pareil. Après, c'est sensuel comme boulot. J'aimais beaucoup en fait écouter les instruments sans trop choquer entre eux. J'aimais bien écouter le bruit de la pompe. J'aime bien écouter le bruit de l'aspiration quand le sang va dans le bidon. Il y a des odeurs aussi. Les odeurs du formol, bah, j'aime bien. En Égypte, on vidait des agneaux, on vidait des alaïdes, je vidais des moutons. Je voulais être la dernière à enlever le cœur. C'est ce qu'on enlève généralement en dernier. Ils coupent, d'abord ils découpent tout, ils enlèvent la peau. C'est très impressionnant à voir, ils accrochent le mouton, etc. Moi, je voulais enlever le cœur et c'est encore tout chaud, c'était tout... Ça a quand même quelque chose, on tient le cœur de quelqu'un, même si c'est qu'un animal. Mais moi, mes convictions, c'est le rapport au corps, c'est je te traite bien et je te traite surtout comme j'aurais aimé qu'on me traite.